Mes chers amis, merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Quel plaisir, quel honneur pour moi de me joindre à vous pour marquer les 50 ans de la décriminalisation de l'homosexualité. Il y a 50 ans, les actions de mon père ont été un pas important vers un pays plus égal, plus libre et plus compatissant que celui qu'il a connu. Mais ce soir, je pense surtout à tous ceux qui se sont battus pour notre cause. Je pense à ceux qui ont tout risqué pour aimer librement. Ce prix et cette reconnaissance sont pour eux. Parce que sans leur courage, leur volonté et leur persévérance, le gouvernement de mon père n'aurait pas pu franchir cette étape majeure dans la lutte contre l'homophobie. J'en suis certain. Je veux donc profiter de ce moment pour reconnaître tout le travail qu'ils ont accompli. La décriminalisation de l'homosexualité a marqué un tournant dans l'avancement des droits des personnes LGBTQ2 au Canada. Mais soyons honnêtes, la bataille était encore loin d'être gagnée. Malgré l'adoption de la loi, la discrimination, l'exclusion et même la violence ont continué de faire partie du quotidien de beaucoup trop de gens. On avait beau prétendre sur papier que s'aimer n'était plus un crime, mais on traitait encore les personnes LGBTQ2 comme des criminels. Les autorités ont continué d'utiliser d'autres articles du Code criminel pour cibler la communauté, pour justifier les opérations policières et les arrestations de masse dans les lieux publics où les membres de la communauté auraient dû se sentir en sécurité. Homosexuality had been decriminalized in 1969, but the unjust treatment of LGBTQ2 people continued for decades. Notre gouvernement a reconnu ce chapitre sombre de notre histoire et a présenté des excuses officielles à la communauté il y a un peu plus d'un an. Ce jour-là, on avait également déposé un projet de loi visant à détruire de façon permanente les dossiers criminels de Canadiens qui avaient été reconnus coupables pour relations homosexuelles. This really was an important moment for the community and our country, and this is the kind of positive change and continued hard work that our government will continue to support. Ce soir, alors qu'on célèbre un moment décisif de notre histoire, on en profite pour reconnaître tout le chemin qu'on a parcouru. On se souvient du courage de ceux qui nous ont précédés, et on les remercie d'avoir fait de notre pays un endroit meilleur pour tous. Mais on doit poser aussi un regard critique sur le monde dans lequel on vit. Il nous reste encore des défis à relever, des erreurs à corriger, et oui, des lois à changer. On ne devrait jamais discriminer contre quiconque, pour qui ils aiment, qu'est-ce qu'ils disent, quelle religion ils choisissent de pratiquer. On a des défis encore dans notre société pour protéger les droits de tous et de toutes. Et c'est maintenant à nous, à notre génération, à notre gouvernement, de continuer de travailler avec acharnement pour bâtir un pays digne de ceux qui ont tant sacrifié au fil des années et des générations pour la cause de l'égalité. Je sais que c'est la meilleure façon de leur rendre hommage. Merci beaucoup, mes amis.